Bonjour, voici donc votre tirage défi pour cette mi-septembre. Ami Sagittaire, nous avons au centre ici les cartes d'oracle dans cette version que j'ai modifiée du tarot au Shozen. Elles font plus que donner une direction, elles créent un fil conducteur dans le tirage. Ici, au centre, vous avez l'esprit chuchoteur, qui d'ailleurs couvre la réceptivité. Cette carte, ces cartes, viennent parler de la nécessaire harmonie que l'on doit trouver en nous pour pouvoir être en harmonie avec ce qui se passe à l'extérieur de nous. Parce que si vous êtes d'une manière ou d'une autre, déphasé par rapport à ce qu'il se passe, vous n'êtes pas à même de canaliser vos ressources, de canaliser votre énergie dans la direction que vous souhaitez. On a deux cartes ici, la réceptivité, l'esprit chuchoteur qui viennent vous demander de vous aligner sur vous-même, c'est-à-dire d'être en accord avec ce que vous ressentez, en accord avec ce que vous dites et en accord avec ce que vous faites. Et là, bien, vous pouvez réaliser qu'il y a ce que vous pensez et que ça diffère de ce que vous dites ou de ce que vous faites. Et tout ce tirage vient souligner à quel point il est nécessaire que vous aligniez ce que vous dites sur ce que vous faites. C'est nécessaire parce que votre défi, c'est la carte des étoiles dans le tarot au Shozen. Votre défi, c'est le silence. Votre défi, c'est d'être à l'écoute. La réceptivité, le silence, la reine de coupe et les étoiles. Votre action nécessaire au progrès, c'est de vous mettre à l'écoute d'abord de vous-même, afin de retrouver l'harmonie en vous. C'est pour ça qu'ici, dans la réceptivité, il y a cet alignement des chakras. Et ensuite, le lotus de la connaissance s'ouvre. Et là, on devient réceptif. C'est-à-dire qu'on envoie et qu'on reçoit. Qu'il y a un mouvement continu d'échange qui se met en route avec notre environnement. Parce que nous avons trouvé la paix. Parce que nous savons qui nous sommes et nous savons ce que nous voulons accomplir. C'est ce dont vous avez besoin dans cette situation. C'est de vous aligner sur ce qui est en train de se passer. On a une situation qui est difficile et alors on a le même phénomène que le mois dernier, c'est-à-dire que le tirage, il vient vous interroger sur la position que vous avez par rapport aux autres. Ici, c'est trouver un équilibre avec les autres dans cette situation qui est difficile. Mais à la base de ça, on a le Seigneur des mots et on a la Reine de bâton. Puis on a la tisseuse de toile en évolution avec un 3 de bâton. En énergie de départ, on a deux cartes qui viennent parler de projets, de partage, de communiquer avec les autres, d'échanger sur nos projets, d'échanger sur ce que l'on fait, sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on pense. Et ici, la tisseuse de toile et l'expérience de l'existence viennent toutes deux parler d'être synchronisées, c'est-à-dire d'être en accord avec ce que l'on vit. Ici, entre la situation de départ et l'évolution, il faut que vous soyez à l'écoute de votre cœur parce que il y a sans doute des choses dans ce que vous vivez qui doivent être peut-être verbalisées différemment aussi. Il y a cette dimension dans le tirage. Vous êtes en lutte contre quelque chose et il est évident que la communication, celle que vous avez avec vous-même, mais aussi celle que vous avez avec les autres, est importante.
Mais vous voyez, le Seigneur des mots, il tourne votre communication vers l'extérieur. Vous communiquez avec le reste du monde. D'ailleurs, on a la reine de bâton, on a le partage. Et on a la tisseuse de toile et l'expérience de l'existence, le 3 de bâton, qui vient de souligner que l'évolution de cette situation, l'évolution qui est possible pour vous, c'est la mise en œuvre de vos projets. C'est que les choses, les circonstances s'alignent pour que vous mettiez en œuvre vos projets. Mais la seule chose dont vous avez besoin, c'est vraiment de vous aligner totalement sur ce que vous pensez, sur ce que vous exprimez et sur ce que vous faites. Pour vous, il s'agit de redéfinir des règles aussi. Peut-être de redéfinir, surtout de redéfinir votre équilibre. C'est pour ça que, ici, l'action nécessaire au progrès, c'est vraiment de se mettre à l'écoute. C'est vraiment de se tourner vers les circonstances en étant soi-même apaisé, conscient de ce que l'on veut accomplir. Et là, vous serez à même de communiquer, on va rester sur ce terme, de manière alignée. C'est-à-dire que ce que vous ressentez, c'est aussi ce que vous dites, c'est aussi ce que vous faites. Et là, les choses vont progresser dans la bonne direction. Bon, je vais arrêter là pour cette première partie du tirage. Je vais procéder donc à la deuxième partie dans l'extension. Vous pouvez trouver le lien dans le menu titre. Qui plus est, je vais tirer l'oracle de l'Enchanted Map, parce que c'est vrai que j'utilise beaucoup Wisdom of Oracles, hein, quasiment quotidiennement. Donc ça va nous apporter encore une dynamique supplémentaire, des informations supplémentaires sur ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.